Salut à tous, c'est Nitrosteed. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Pokémon Rouge Feu. Je sais plus quel épisode c'est, je crois que c'est... Oui, c'est l'épisode 11, et oui, vu que la dernière fois c'est l'épisode 10, j'avais même fait une petite référence... Enfin, pas de référence, mais... Oups, mince. J'avais juste dit que ça faisait... Bah, ça commençait à faire pas mal d'épisodes. Hein. Alors, on va s'attaquer aujourd'hui à... la tour de l'avant-ville, et si on aura le temps, peut-être qu'on commencera à descendre vers le bas. je me souviens plus du nom de la ville. Alors, mince. Alors, on s'y attaque maintenant. Alors, maintenant qu'on a le Scope Sylph qu'on a récupéré dans l'épisode précédent, il y aura plus de problèmes, voilà, pour détecter les Pokémon. Alors, dans cette tour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... je vais te baisser un petit peu. Oui, parce que j'ai remarqué que... j'avais réécouté un petit peu l'épisode précédent. Et j'ai remarqué que on m'entendait pas beaucoup. Enfin, c'est pas tellement qu'on m'entendait pas beaucoup, surtout qu'on entendait beaucoup la musique. Alors, je regarde un petit peu... comment ça s'appelle, mon gestionnaire de son. Et à mon avis, ça devrait être bon. Dans le pire des cas, je sais à peu près, je sais à peu près la valeur du son que j'ai mise. On verra si je baisserai encore un petit peu pour l'épisode prochain. Donc, par contre, je vais changer de Pokémon parce que bon, Dracaufeu n'a pas trop besoin d'être entraîné là. Au moins, il montera level 42, ça. Et après, je prendrai Evoli, pas Evoli, Voltali. Juste après cette Pokéball. Carte sortie. Ouais, ok. Ok. Pokémon. Tripcœur qui sert toujours à rien. Ah, il est level 39. Alors, je vais prendre. Alors, au carnage, au moins pour monter level 40. Ah oui, mais je crois que. Non, je vais prendre Voltali. Ce serait pas judicieux de le prendre ici au carnage. Y a rien là? Non, non. Alors, par contre, peut-être que. Je vais y arriver. Je vais prendre aussi un petit peu de... Au moins un super repousse. Alors, je pensais, voilà, donc à un nouveau Pokémon peut-être à prendre avec nous. Donc on m'a conseillé... on m'a conseillé Kadabra. Alors, ah oui, sachant qu'à la Kadabra, je peux pas l'avoir, c'est vraiment dommage. Hein. Ça m'embête de pas pouvoir... Il y a des Pokémon comme ça, les vrais bons Pokémon, et vraiment... les avoir que par échange, c'est bien dommage. Donc soit Kadabra, soit je pensais également à un Spectrum, parce que j'aime beaucoup ce Pokémon. Et bon, ce qui est dommage encore une fois, c'est qu'on peut, je ne peux pas avoir son évolution, je peux pas avoir Ectoplasma. Mais j'aime quand même beaucoup ce Pokémon, donc on va dire si jamais je le croise. Bah, je le capturerai, voilà. Bon, je sais, j'ai pris un super repousse, mais voilà, j'en utiliserai un juste pour monter un petit peu parce que il me. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que plus on monte et plus on aurait de chances de le croiser. Spectrum, hein, bien sûr. Donc on verra ça. Bon, vous me direz, je peux aussi le faire évoluer, mais je sais pas. On verra bien, on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Il n'y a rien. Ah ok, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Je devais apporter un sujet, bon, pas important, mais un sujet quand même. Et j'ai perdu le fil. Parfois, je... Ça me sort de l'esprit. Oui, autre chose. Je vais peut-être vous faire une petite surprise d'ici, on va dire, à la place de la prochaine vidéo sur Pokémon. Comme parfois, voilà, j'alterne entre machin et l'autre. Peut-être une autre... pas un autre type de vidéo, mais... comment ça s'appelle? Un nouveau jeu, plus ou moins. Plus ou moins un nouveau jeu, oui. Que j'ai eu l'occasion de tester un petit peu. Oh cool, j'adore ça. Que j'ai eu l'occasion de tester un petit peu, qui est vraiment sympa. Enfin, ça dépend pour qui. Ah, ça donnera peut-être un indice, ça.
Et donc voilà, donc j'essaierai de le faire j'essaierai de le faire la prochaine fois. Bon, le seul truc c'est que mon ordinateur a un peu de mal, enfin c'est pas qu'il a un peu de mal, c'est qu'il est un peu plein. Il faudrait que je m'achète un disque dur externe pour enlever un petit peu toutes les mais je suis bête. Pour enlever un petit peu toutes les vidéos, parce que j'ai enfin, toutes les vidéos, tout le dossier que j'ai en trop et dont je me sers pas, on va dire ça comme ça. Ce qui me permettrait de faire des vidéos un peu plus lourdes. Ouais, c'est ça le problème, c'est que quand je les enregistre, elles sont vachement lourdes ces vidéos. Genre là, je regarde là, on est à 5 minutes, 5 minutes 45 de vidéo, et c'est déjà à presque 150 mots. Sachant que pour donner une idée, un film, ça correspond à peu près à 700 mots. Pour 5 minutes, 6 minutes. Donc voilà. Bon, je me souviens pas par contre combien il y a d'étages à cette tour, je ne me souviens pas du tout. J'avais pas... Ah non, j'allais dire... J'étais en train de me dire, j'avais pas dit que je prendrais au carnage, mais non, mais non. Mais non, pas de problème. Encore une fois, je remarque que finalement, je vous poste cette vidéo plutôt tard. Dans la semaine, bien sûr. Je veux juste voir s'il n'y a pas... S'il n'y a pas, non, il n'y a rien. Oui, je la poste tard, mais c'est que... Bon. Peut-être que d'ici quelques semaines, le rythme des vidéos prendra une tournure un peu moins... Un peu plus rapide. Ce que j'espère. Parce que franchement, c'est... Je dois vous avouer, c'est pas l'envie hein, qui me manque de tourner des vidéos, mais bon, c'est le temps un peu. Encore une fois, il faudrait que je vous fasse. J'ai l'impression de me répéter à chaque épisode. Bon, on va dire tous les deux épisodes. Il faudrait que je fasse une vidéo pour que j'explique un peu et tout. Je la ferai encore une fois. Bah, disons que je préfère vous offrir une vidéo. Enfin, vous offrir. Ou faire une vidéo intéressante comme ça. Ou d'un jeu vidéo. Donc, bon, de Pokémon en l'occurrence. Plutôt que de vous faire une vidéo. On dirait. Je peux faire les deux. Je peux faire les deux en même temps, mais bon. Mais bon. Donne-moi ton âme! Elles font trop rire. Avec leur tronche. Enfin, avec leurs yeux. Oh, un spectrum! Je peux pas le capturer, non? D'ailleurs, je rêve où tous les Pokémon que l'on croise depuis tout à l'heure, ils sont tous féminins. Ou alors c'est moi qui ai pas de chance, entre guillemets, et qui ne croise que des Pokémon féminins. Enfin, non, qui regarde que lorsqu'il y a des Pokémon féminins. Approche, enfant, j'ai scellé cet endroit grâce à ma sainte magie blanche. Tu peux te reposer ici. Merci. Et c'est quoi ça? Rune purif. Oh, j'ai tenu pour poser la brigand, ça m'est égal ça. J'ai déjà mon repousse, je n'ai pas besoin de rune purif. Zombie. Zombie. Tu. Eh, avec tout ça, je suis monté level 40, j'ai même pas remarqué. Bon, on va continuer en deux chocs. Hein. Écoutez, vu que il n'y a que ça qui est efficace, vu que combat normal, ça les atteint pas. C'est dommage, ça m'aurait plu aussi d'avoir un ectoplasma. J'adore sa tête. Poye poromi, le mal est parmi nous. Zia, exorciste Zia. C'est sympa ça comme nom. Zia, ça me dit quelque chose. Zia. Zia. Je sais pas. Peut-être dans un film, qui sait. Qui sait, qui sait. Désolé, je parle pas trop, mais c'est parce que je réfléchis. Enfin, je réfléchis. Je réfléchis, entre guillemets. Combien il y a d'étages? Parce que je trouve que, encore une fois, ça fait pas mal de combats. D'ailleurs, j'ai vu que finalement, le coup de l'accélérer, eh ben, c'était pas mal, finalement. Même, j'avais pas regardé le rendu final, et finalement, j'ai regardé la vidéo.
Et franchement, moi je trouve ça plutôt sympa. Oh, mais j'y pense. Attendez, il y a un ossature à la fin là. Ah. Est-ce que ce. Ouais, enfin, je dis ça, mais je crois que j'ai même pas de Pokéball. Attendez. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Oh, ce serait trop con. Ah, mais non, mais je crois qu'on peut pas le capturer. Ah oui, on peut pas le capturer parce que. Je crois. Hein. Parce qu'en fait, c'est un esprit, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Il me semble. Ouais, je crois que. Ça rentre tellement loin, vraiment. Et d'ailleurs, j'y pensais, mais mine de rien. On commence à bien avancer dans le dans l'histoire. Bon, oui, bon, comme je disais, 10, enfin 11 épisodes même maintenant. Mais quand je regarde, voilà, on a déjà 4 badges. Oh, il est trop cool notre personnage. On a déjà 4 badges, 4 badges. Donc, sans compter le Les, tous les Pokémon à ramasser, j'allais dire, à capturer. La collecte des Pokémon que je ne ferai pas, dont je vous l'avais déjà dit au premier épisode, il me semble. Dans l'histoire principale, dans la quête principale, eh ben, on a bien avancé. On est presque à la moitié, parce que bon, faut aussi. Oula. Faut aussi compter le fait qu'il faut faire. Qu'il faille faire. Qu'il faille faire. Comment ça s'appelle? La Ligue Pokémon. Qui ne va pas être une mince affaire non plus, et je pense qu'on se quittera. Enfin, on se quittera. J'arrêterai le let's play. Ah bah. Au moment où quoi? Voilà, où on aura terminé, où j'aurai terminé. Où j'aurai terminé de faire. De battre le champion de la Ligue Pokémon. Après, je sais qu'il y a quelques comment ça s'appelle quelques quoi quelques ajouts, voilà, on va dire ça comme ça, quelques ajouts par rapport à la version de base. Je parle bien entendu de version rouge, version bleue, version jaune. Après la Ligue Pokémon, je me souviens plus ce que c'est, vraiment plus hein. Mais oh, si, éventuellement, s'il y a genre une mini histoire où on doit également collecter, voilà, genre, je pensais à la série animée de Pokémon où après, machin, comment il s'appelle, Sacha doit aller à la Ligue Orange, un truc comme ça. Ça m'étonnerait, hein, vraiment, mais si un truc comme ça. Oh, super bon. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai toujours pas utilisé. Celui que j'avais capturé. Que j'avais capturé, mon Dieu. Celui que j'avais récupéré je ne sais où. Et donc quoi? Et donc je sais pas qui je vais le donner. Les donner. Alors. Fuis, misérable. Le spectre apparaît, le scope sylph révèle l'identité du spectre. Ossature. Ah oui, ça c'est pas très malin par contre. Ouais, bon, remarque. Remarquez, j'ai. Ouais, bon. Il va être un peu long le combat. D'ailleurs, je suis allé. Et ça non plus, c'était pas une bonne idée. Je vais aller voir un peu. Et il y a des concepts qui sont intéressants, en l'occurrence pour Pokémon. Comme quoi, par exemple, si jamais un Pokémon meurt, on n'a plus le droit de l'utiliser, genre comme s'il était. Enfin, si un Pokémon est KO plutôt, on va dire ça comme ça. Wow. Ok. Et oui, je suis bête, parce que bon, les attaques, ça, c'est pas. Elles ne sont pas efficaces, mais d'un autre côté, ces attaques à lui sont beaucoup plus efficaces sur les miennes. D'ailleurs, est-ce que j'ai fait un bon choix? Oui, j'ai fait un. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Oh!
On va quand même essayer de le capturer. Oui, ça va, j'ai fait un bon choix. Je pense pas que... Bon, juste une Pokéball pour voir parce que... Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Ce Pokémon ne se laisse pas faire. Non, non, mais j'ai dit non. Charge, ouais. Et d'ailleurs, j'ai regardé, mais finalement, autant je pensais que faire un let's play sur Pokémon, ce serait. Attendez. Let's play de l'esprit de Erdosley. L'âme de sa mère était apaisée, elle est partie vers l'autre monde. Oui. Autant je pensais que ce serait une idée judicieuse et un peu originale pour changer, on va dire, des Pokémon habituels. Enfin, habituels. Et finalement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens, pas mal de monde, qui faisait un let's play sur ce Pokémon aux rouge feu ou en vert feuille, on va dire la même chose. Mais... je trouvais ça un peu dommage parce que bon, non pas que j'étais, non pas que je pensais être le seul à avoir fait cette série Pokémon, bien sûr, mais bon, je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Et encore, c'est que sur YouTube, hein. Il y en a peut-être qui en font aussi sur Dailymotion. Enfin bon. J'essaierai d'être un peu plus original la prochaine fois. D'ailleurs, j'en ai vraiment plein en tête, hein, des let's play que je pourrais faire, qui m'intéresserait de faire. Mais encore une fois, enfin le problème, c'est que la plupart se trouvent sur Xbox. Et il faudrait vraiment que je trouve que je trouve un moyen de, enfin un moyen. Simplement que je me procure. Que je me procure un boîtier d'acquisition vidéo et que je sollicite le PC. Que je sollicite le PC de quelqu'un qui en a un. Je vais pas dire puissant, mais. Qui tienne la route, on va dire ça comme ça. Parce que pour trouver un boîtier d'acquisition vidéo sur Mac, c'est vraiment la merde. On va dire ça comme ça. Parce que non seulement ils sont peu nombreux, c'est qu'en plus ils sont coûteux. Enfin bon. Bon, bah, finalement, j'aurais pas cru, mais ça aurait pas été, ça aura pas été si court de faire cette, de monter là tout en haut de cette tour. Là, je vois déjà presque 18 minutes de vidéo. Donc finalement, à mon avis, on termine ça. Et enfoiré. Et ce sera bon. C'est pas ce que je voulais faire. Enfin, ce sera bon. Et après, on se quittera, c'est ce que je veux dire. Ne vous me prenez pas. J'aimerais bien refaire également une vidéo sur The Binding of Isaac. Parce que j'ai énormément. Enfin, énormément. J'ai pas mal joué. Je dois vous l'avouer. Parce que, en fait, j'espérais atteindre quelque chose. Que je vous montrerai, bien sûr, la prochaine fois. Que j'ai réussi à atteindre. D'ailleurs, je suis monté à combien? 80, 92, 93 heures de vidéo, de jeu. Vraiment un truc de fou, parce que j'étais à 60, bon. Déjà 60 c'est pas mal, 50, 60. Mais alors monter en si peu de temps. Donc je ne suis pas un geek, non. Je joue que très rarement aux jeux vidéo. Il faudrait que je lui apprenne des bonnes attaques un peu à Roucarnage, enfin, des bonnes attaques, des attaques un peu plus puissantes. J'ai vu que j'avais Aéropic dans ma boîte CT, mais je sais pas s'il apprend. Genre, ça me ferait mal de lui apprendre, de dépenser pour ça. On dirait, je sais pas qui je pourrais l'apprendre d'autre. Ah, peut-être un Dracaufeu, remarque. Bon, bref, ça me ferait mal de lui apprendre alors que lui peut l'apprendre par ses propres moyens. On va t'attaquer comment toi? Bon, finalement, cruel c'est pas mal. Ouais, mais voilà, parce que cruel c'est une des seules attaques qui est un peu plus puissante que les autres. Cher au carnage. Mais bon. N'affronte pas la team Rocket. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Désolé. Et tu es là pour me sauver? Merci. Oh, je devrais faire une voix de Dieu. Merci, mais je suis venu ici de mon plein gré. Je voulais apaiser l'esprit de la mère de Soleil. Je pense que l'esprit de sa tueur s'en est allé vers des cieux. Je dois te remercier pour ton attention. Viens avec moi dans ma maison, à la maison Pokémon, au pied de cette tour. J'arrive. Et je pars. Non, non, je voulais pas partir, je plaisante.
Tu vas me donner un objet très utile. Bon, je m'en fous de vous. Raid. Ta quête pour compléter ton Pokédex échouera si tu n'aimes pas tes Pokémon. C'est marrant parce que cette phrase, c'est vraiment une des phrases dont je me souviens absolument. Je crois que ceci te sera utile. Raid obtient la Poképlute. Merci, mon vieux. En jouant de la Poképlute, les Pokémon endormis en se réveillant. Elle marche sur tous les Pokémon. Ok. Je viens de remarquer ce. Comment ça s'appelle? Ce robinet. Il est trop bien fait. Avec. Un petit pixel bleu et un petit pixel rouge pour. Comme en vrai. Je sais, c'est trop bête, mais. Ça m'étonne. Donc vous savez quoi, on va aller juste affronter Ronflex. Comme ça, ce que je ferai, c'est que moi je me taperai en off les combats qu'il y a sur cette route. Et comme ça on arrivera directement à. C'est pas Parmani? Moi je crois que c'est Parmani, ouais. D'ailleurs, faudrait peut-être aussi aller à Safrania, mais je me souviens plus comment on fait pour y aller. Enfin, par où il faut y aller. Ah, on verra ça, on verra ça. Ah si, je me souviens, bon alors. Bon. On peut faire de toute façon dans tous les sens. Et je suis bête, j'ai oublié d'aller me soigner. Et alors, est-ce que je le capture ou non? Alors ça, c'est la grande question. Est-ce que je vais le capturer? Parce que bon. Ouais, je vais essayer quelques Pokéballs. Enfin, quelques Pokéballs. D'ailleurs, tant que j'y suis, je vais prendre. Et si, genre, au bout d'un certain temps, j'y arrive pas, bah. Je les ai passés. Ah oui, d'accord. Et si j'y arrive pas au bout d'un certain temps. Voilà, au bout de 10 balles, si j'y arrive pas, bah. Bah, tant pis, je le tue. De toute façon, il y en a un second, donc ce côté-là, il y aura pas de problème. Tac, 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 je veux aller où? Je veux aller soigner mes Pokémon. Mes pauvres. Enfin, mes Pokémon. Surtout. Surtout machin là. Comment il s'appelle? Voltali. Le pauvre. Super forme. À bientôt. Je vais. Poké. Non. Poké. Non. Pokémon. Et je vais l'échanger avec Rookie. Oh, j'aurais trop dû l'appeler Rookie. Trop cool ça. Oh. Oh. Il est pas là en plus le machin qui donne des noms là? Non, je crois qu'il est pas là. Ah, oh, merde. On verra, on verra. Rookie, c'est sympa comme nom. Roxy Rookie, ouais, voilà. Voilà d'où je le sors. C'est marrant parce que. Attends, attendez. Je sais pas s'il y a, y a d'autres Pokémon comme ça que. Avec des noms aussi mignons. Dracaufeu. Non, c'est nul, ok. Oui, je veux utiliser la Poképlute. Voilà. Il est de mauvais poil et vous attaque. Ah oui, c'est vrai que. Ouais, je crois qu'il peut genre. Oh, bah, je me casse. Toum! Il fait trop rire là, son cri. Niveau 30. Allez. C'est un Pokémon de type normal. Donc. Les attaques. Ah ouais, c'est vrai qu'il a énormément de vie. C'est pour ça qu'il est sympa ce Pokémon. Parce que il a beaucoup de vie. Ah oui, par contre, il est super relou. Voilà. Enfoiré, va. Voilà, putain, j'en étais sûr. Je disais rien, mais j'en étais sûr qu'il avait cette baie à la con. Le nombre de combats que. Qui m'ont fait chier juste pour ça, parce que. Parce qu'il. Un Pokémon faisait repos, il reprenait toute sa vie et bam! Baie marron. Mais je veux le tuer, je veux pas le tuer moi. Ouh, enfoiré. Enfoiré, ouais. Bon, on va pas passer non plus une éternité là-dessus. J'essaie, si ça marche pas, bah tant pis. D'ailleurs, je me demande s'il n'y en a pas un entre lui et l'autre qui se trouve à l'ouest de Céladopol qui est plus puissant. Remarque, je crois pas. Je vais pas le tuer là. Et mince, bon, tant pis. Tant pis, j'essaierai avec l'autre peut-être. Ronflex, une fois calmé, s'en retourne vers la montagne. Oui, c'est vrai qu'il était tout à fait vers la montagne là.
Bah écoutez, voilà, on va cesser à cette petite maison. D'ailleurs, bon, juste je récupère la canne. Je suis la super canne, je suis le frère du maître pêcheur, moi dans ma vie je suis pêcheur. T'aimes la pêche toi? Oui j'adore, cool, t'as l'air de quelqu'un de bien, prends ça et bonne pêche. Ah non, la méga canne, carrément, ça rigole plus. Quand ça mord, ça va se demander si tu attrapes un gros Magikarp avec cette canne, j'aimerais beaucoup que tu me le montres. J'adore les gros Magikarp, yes, presque autant que la pêche. D'accord, je me souviens pas que tu me disais ça. Enfin bon. Bon, écoutez les amis, c'est ici qu'on va se laisser, voilà, entre ces trois fleurs. C'est très beau, merde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez des idées en quoi que ce soit. Pour me dire comment vous avez aimé la vidéo. Un petit like. N'hésitez pas. Bah voilà, c'est tout en fait. Même à partager la vidéo si vous voulez. Et encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois et portez-vous bien. Ciao tout le monde.